Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode de Robotorium, directement pour une petite mission secondaire, pour tester un petit peu les combats, parce qu'il y a eu des mises à jour, et j'ai l'impression que c'est devenu hyper compliqué en fait, donc du coup je teste, et on va regarder ensemble comment ça se passe. Donc c'est une mission secondaire où on doit tout simplement colmater la brèche d'un réacteur. Donc c'est une mission level 9, donc normalement, même si elle est level 8, ça devrait être quand même plutôt bien dans notre niveau. Alors, voyons voir, ici on a du coup critique amélioré. Donc lui est plus rapide que nous malheureusement. Du coup on va essayer d'attaquer la ligne arrière. Ouais, on va enlever ce régénération améliorée, tant qu'à faire. Alors toi, 103 de dégâts à un ennemi. Chaque soin reçu augmente la puissance de 5%. Ouais, on va faire ça. Ça me paraît pas mal. Alors, à nous. Torio ciblage et traqué, c'est parti. Ah. C'est un peu raté malheureusement. Ici on va essayer de stun cette première ligne. Bon, on a stun 1, c'est déjà pas mal. Oh, ils font hyper mal quand même. Hein. Clairement ça déconne pas. Hein. Si je fais ça, 42 de surcharge, 30 ouais. On va le faire, il faut qu'on se débarrasse de ces gens qui nous font de la surchauffe parce que c'est vraiment extrêmement désagréable. Ils sont en train déjà d'attaquer mes boucliers. Ouais, c'est la violence quand même. Hein. Ouais, on va régénérer un coup le bouclier de la ligne un petit peu. 46 de bouclier, c'est vraiment pas ouf quoi. Toi tu vas nous mettre une cible à abattre sur ce mec. Et ici on va essayer de protéger le scout. Ça reste un DPS très très intéressant quand même. Renvoi de dégâts, ok, donc on peut essayer de pas lui tirer dessus. Puissance améliorée, coup critique amélioré, ça c'est la violence absolue quoi. Laminons les gens là. Voilà, pas mal. Ouais, retirer un peu de malus, ça me paraît plutôt pas inintéressant dans le contexte, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des malus de merde. Voilà, ça se déclenche deux fois. Malheureusement, ça n'a pas déclenché l'attaque de notre classe d'âme. Surchauffe. Ça mettrait pas mal surchauffe sur lui aussi. Alors ici, barrière immatérielle, c'est pas mal. Tous les dégâts subis sont partagés entre les cibles affectées par transfert de dégâts, ouais. On va essayer, elle, on va lui utiliser sa capacité spéciale tant qu'elle soit surchargée. Elle a rien pour, en fait, pour baisser sa surcharge, hein, donc... Sa capacité spéciale fait que les ennemis ont 50% de chance d'utiliser l'attaque de base sur eux-mêmes. Ce qui est quand même plutôt, plutôt sympathique. Donc ici, ouais, ici il n'y a personne de stun sur cette ligne. Ouais, c'est raté malheureusement. On avait beaucoup de monde qui était surchargé. Ouais, il s'est fait torio ciblage sur lui-même, lui, donc ça c'est cool. Allez, ça serait bien qu'on déclenche des trucs là. Avec les coups critiques, non, c'est pas possible. Bon, tant pis. Toi, t'es bien surchargé. Ce serait pas mal de... Voilà. Un petit coup critique ici, on redéclenche. Non, pas possible. Bon. Lui, il faut qu'il baisse sa surcharge, donc on va finir celui-là, du coup. Bon, effectivement, c'est la violence quand même, hein, les combats, clairement. Mais
Ça passe, si on fait pas n'importe quoi, ça passe. Régénérer le bouclier, ouais, régénère donc le bouclier de ce monsieur, s'il te plaît. Et alors ici, traquer à tous les ennemis... implique conversion. On a déjà conversion, non, dans tous nos trucs là. Lien quantique, conversion, ouais, conversion x3, donc on l'a déjà. On va faire un petit peu de dégâts et mettre charmé sur, sur quelqu'un. Allez, déclenche tes coups critiques là, ouais parfait. On va mettre un peu de corrosion sur ce monsieur, parfait. Eux sont stun pour l'instant, donc pas de stress. Toi, protège le scout. En plus, il me renvoie de dégâts à tout le monde, ça fait bien plaisir. Ici, traquer sur tous les ennemis. Subir des dégâts régénère le bouclier de l'attaquant. Ouais, pas mal. Ou alors charmer, on va mettre charmer sur celui-là. Puisqu'il a cible à battre, il va prendre des coups. Là, voilà, là on va tirer sur lui. Pof, là, bon gros coup critique des familles. Alors toi, enlever quelques malus. Ça me paraît pas mal, enlever quelques malus. Allez, un petit coup critique là, ça se déclenche, non. Le scout du coup, il va tirer sur celui-là, ça va rebondir sur le mec qui a truc à cible à abattre là. Et du coup, répandre les trucs sur lui tout simplement. Alors voilà, bon il reste plus que lui, on va essayer de baisser un petit peu notre surcharge. Parce que c'est la violence. Bon, effectivement, il y a eu un gap dans la difficulté, hein, clairement, par rapport aux épisodes d'avant. Mais au moins, on a réussi à s'en tirer, quoi. C'est pas si mal. On a eu un ionisateur, alors vu comme c'est devenu plus violent, on va prendre un peu le temps de regarder les armes. Ouais, ça c'est pas mal, ça. Catalyseur d'énergie, ça c'est plus puissant, ça fait plus de critiques, on prend. En termes d'armure... ça c'est plus pourri, ça c'est mieux. Ça c'est plus pourri, ça c'est bof. Ça non, ouais, pas si mal. Toi, on a vu qu'on a, on t'a trouvé une arme ou pas? Canon Breaktech, ouais, mais moins 14 de vitesse, c'est pas possible quoi. Non, on est pas si mal, je pense. Allez, avançons. Un drone de surveillance, on va le détruire, c'est encore le plus rentable. Hop là, on récupère des pièces. Un autre combat, putain. Molos, Molos, apprenti. Bon, il y a un petit peu moins de gens brutaux. Ok, commence direct à caler une grosse surchauffe là. Nous on va y aller à l'inferno, comme des gros bourrins. Ça, ça faisait quoi? Réinitialise la durée des bonus de tous les alliés. Ouais, ok. On va lui mettre, se contenter de mettre un petit torio marquage. Ici, on va remettre une petite conversion des familles. Histoire de garder le bonus. Alors, toi, c'était quoi ton truc? La durée de tous les malus ennemis. Ouais, ok, c'est pas ouf. Non, on va se mettre direct un ordre de tirer sur lui. Les armures descendent, hein. De rien. Toi, essaye de nous stun un peu des gens. Ouais, hein, c'est pas si mal. Ici. On est reparti pour mettre un petit peu de malus dans les têtes. Alors, régénérer le bouclier d'un allié, oui. Si j'ai pris des dégâts, je sais même pas pourquoi. Ils sont irradiés comme nous, hein, donc bon voilà. On va mettre traquer sur tout le monde, histoire de ramasser un petit peu plus de régénération.
Comment ils ont réussi à passer ma armure, c'est ouf. Et puis ils se surchargent tout seul quoi. C'est la tristesse. Toi mon cher, tu vas protéger machin. Surchargé. Pourquoi j'ai pas pu le jouer, je ne sais pas. Pourtant il n'est pas surchargé. C'est quoi la blague là? Pourquoi je peux pas jouer? On se calme ou c'est quoi le... What the fuck? Merci. Je rêve ou quoi? Ok, on peut jouer peut-être. Allez, c'est parti. Nucléotir, il commence à me casser les burnes là. Voilà. Faire un peu d'air. C'est ouf quand même. Alors toi, régénérer un bouclier, oui. Ouais, la corrosion quoi. Ouais, corrosion ça fait mal hein. Quand c'est pas nous qui le mettons, ça fait mal forcément. Allez, régénère un peu le bouclier et mets un peu de refroidissement. Ce sera toujours ça de prix. Allez, là faut enchaîner les coups, là, voilà, coup critique, tu tires. Voilà, pour ça de prix. Ouais, puis on se prend tellement de surchauffe en fait, c'est pour ça qu'on joue pas quoi, c'est... La violence, le jeu il lag tellement y a des malus de partout. Putain, c'est un bordel absolu. Ok, est-ce que ça va aller, oui. On va tirer sur celui-là. Puisque ça va rebondir sur l'autre et ça va répandre tous les trucs sur lui. Toi, ouais bah écoute, tu vas m'être charmé sur sa tronche puisqu'il est tout seul. Toi tu vas protéger Chobit. Alors, une capsule inferno, non, un tir chargé plutôt. Ouais non, il est tout seul, il est stun, on va se contenter de diminuer un peu notre surcharge. Là on va essayer de s'enlever des malus parce que c'est la... Waouh quoi, c'est la violence les malus. Ok, eh ben... on n'a rien eu de rare. Ok... On va juste s'occuper, je crois qu'on a un niveau. Deux niveaux, parfait. Alors elle est niveau 9, ça devrait aider un peu. Pourquoi t'es envoûté? Ah non, elle est immunité à l'envoûté, pardon. J'ai eu peur. Talent. Alors voyons voir. Augmente la régénération. Les soins reçus ont plus de chances d'être critiques. Augmente la vitesse. Un bonus sur les alliés quand on les soigne. Performance artistique, c'est quoi ça déjà? Ok, 100% de chance de mettre Torio cible, j'en ai pas mal, c'est sa seule attaque hein, techniquement. Après ça c'est pas... on va prendre ça, non, on va complètement prendre ça. Le truc qui fait qu'on peut gagner de la puissance à chaque fois qu'on est soigné là. Alors et toi? Les dégâts augmentent par nombre de bonus sur le lanceur, ça c'est pas mal. Réduit la génération de surcharge de toutes les compétences. Chaque nouveau bonus appliqué à un allié de la même ligne. A 25-50% de chance d'activer la régénération. Ouais, on fait pas beaucoup de bonus avec lui donc. On va prendre ça, faire plus de dégâts. Et on a débloqué le tier 3 qui est maintenant disponible suite à une mise à jour. Enfin, il y en avait certains, mais maintenant il est disponible pour tout le monde. Du coup on est dans un cul-de-sac, on va aller par là, puis on va continuer d'avancer. Une caisse. Parfait. Bon, visiblement, il y a l'air d'avoir des trucs en bas, donc on va... finir d'explorer en haut, du coup. Bordel. Un petit piège des familles. Une tablette numérique. Ah, un petit peu d'expérience, ça va faire plaisir parce qu'il nous en faut là, faut qu'on soit carrément plus haut niveau que les mecs en face si on veut pas décéder, j'ai l'impression.
Ah merde. Immense ce donjon quoi. J'ai pas gagné de niveau avec ces 10% en plus là. Ouais si, donc tous ont tous un niveau. Ils ont tous deux niveaux quoi. Ah ouais bah go. Alors toi, on avait débloqué le nouveau tiers maintenant. Si intervention utilisée sur un allié d'une autre ligne, régénère également son bouclier, ok. Onde de choc qui a des chances de retirer des bonus aléatoires, c'est pas mal. Fumigène on s'en sert pas, grenade on s'en sert pas. Bola augmente la surcharge de chaque ennemi. Ah oui, donc on va prendre plus de chances de rebondir et prendre de la surcharge. Parfait. Ici, deux talents. 10% de la vitesse sont convertis en pourcentage d'augmentation de la puissance. Ça on prend, il n'y a pas de débat. Alors, si inhibiteur surcharge le lanceur, des chances de lui appliquer surplus d'énergie. Et surplus d'énergie, ça fait quoi? Réduit à 0% la génération de surcharge de la prochaine compétence utilisée. Ouais, c'est pas mal. Hein. Munitions supersoniques, on s'en sert pas. Nous, on se sert de ça. Capsule inferno augmente également la surcharge des ennemis. Ils sont plus lents. Et on peut augmenter aussi le bonus de dégâts de ce truc-là. C'est quoi ça? C'est tir chargé. C'est où tu recharges? C'est là, c'est ce truc là. Augmente les dégâts de 15% si la cible a encore du bouclier. Ouais. On va jouer sur la surcharge hein, parce qu'on voit quand même que là, la surcharge, dès qu'on est surchargé, ça fout quand même sacrément la merde. Alors. Ouais, réduire encore ça, c'est pas forcément ouf. Hein. Ça, je le utilise jamais. Alors, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise pas mal ce truc là, ça augmenterait la surcharge de tous les ennemis. Ah ouais, c'est pas mal ça, on va prendre. Ensuite ici. Alors ici on avait débloqué le nouveau niveau. Analyse des cibles a une chance de retirer un bonus aléatoire aux ennemis de la ligne, ok. Ces munitions sulfuriques utilisées sur un ennemi n'étant affectées par aucun malus lui inflige également des dégâts. Ah, c'est pas mal ça. Et ça c'est l'équivalent pour le virus. Ça on n'utilise pas. Ah donc les trois compétences qu'on utilise c'est ces trois là. Et je pense que la munition sulfurique achevait la cible là, c'est quand même assez badass. Alors à nous. Alors ce truc là, il a la chance de réduire la durée des malus, pas si mal. On n'a rien pris à ce niveau là, augmente les soins. Ouais, il est tous fin, il n'y en a qu'un autre sur sa ligne, donc activer la régénération des alliés sur la ligne c'est pas ouf. Donc ça, les soins critiques régénèrent également le bouclier d'un allié aléatoire, ok. Là, je pense qu'on va améliorer ça. Du coup ça nous permet de débloquer le tiers 3. Diagnostic à 50% de chance d'augmenter la durée des bonus de la ligne, pas mal. L'amélioration là, 50% de chance de rebondir sur un allié supplémentaire. Ouais, améliorer le bouclier de 3 alliés c'est pas mal, on va prendre ça. Voilà, qu'on ne passe pas non plus 100 ans. Allez c'est parti. Alors ici, on va essayer de discuter pour voir. C'est raté malheureusement. Niveau de danger plus 10, ça va, c'est pas ouf. Ça doit être la dernière salle, celle-là. Ah, si on pouvait mettre corrosion sur tout le monde, ouais, parfait. Ça c'est très très bon ça. Ah, et là on a raté malheureusement, on est à 25 de niveau de danger. Ça va devenir un petit peu plus tendu. Un maître psyborg. Oula. Chose me dit que c'est une saloperie ça. Assaut mental, 186 de dégâts à tous les ennemis et 186 sur les ennemis à plus de 50% de surcharge. Ok. Luttons jusqu'à ce que Veil s'en suive. Ok, commence direct à m'étourdir. Donc on est toujours irradié, donc on se prend des malus et des trucs dans la gueule. Hein. Grand classique. Alors.
Ouais, on pourrait augmenter la surcharge de cette ligne là. On va essayer de commencer à entamer celui-ci, mais lui on va lui mettre un ordre de tirer là. 6. Ouais. On va faire un truc comme ça sur ses jambes. Voilà, donc lui malheureusement était surchargé. Ah la vache, alors 50% de chance, il pique hein. Donc ici on va lui remettre corrosion à 5 parce que comme ça c'est fait. Ah il y a des trucs qui charment et tout là qui font que ça régénère tout le monde, c'est très chiant. Est-ce qu'on pourrait jouer? Merci. Ici on va lui mettre vitesse réduite à lui. Hop là. Alors maintenant, est-ce qu'il est plus lent que moi? 150 de vitesse quand même, hein. Et nous on a 166, parfait. On peut donc y aller avec une grosse capsule inferno dans la ligne. Qui a pas fait grand chose. Ah ouais, en même temps ça... C'est censé faire des dégâts parce que je suis censé être rapide, mais visiblement c'était pas une réussite. Alors ici, régénérer le bouclier d'un allié, c'est pas un besoin immédiat. Retirer des malus, par contre, c'est plutôt une bonne idée. Oh là là, ça fait mal. Alors à toi. J'aimerais bien que tu mettes charmé sur lui, puisqu'il va se prendre des tirs de d'ordre de tirer. Enfin, si mon scout ne décède pas. Allez, attaque, ouais parfait, un petit coup critique ça relance, réactive, ouais réactive, un coup critique, allez tire, très bien, parfait, c'est ça qu'on veut. Mettons un coup de torio ciblage sur ces gens. Alors ici, est-ce que ça vaut le coup de protéger quelqu'un? Ça peut valoir le coup d'encaisser les prochaines attaques en fait, on va utiliser Dreadnought. Oui, s'il te plaît. Ah oui, pardon, faut que je clique. Donc ça va faire qu'on va être invulnérable pendant un tour et que pendant un tour, tous les ennemis vont devoir nous attaquer en fait. Alors, ici. On va mettre le truc qui fait qu'on prend moins de dégâts et que ça enlève un petit peu de tour des armes. Donc on subit aucun dégât, par contre les malus on les subit hein, forcément. Ça, ça augmente la surcharge de tous les ennemis, ça va permettre de surcharger quelques personnes. Voilà. Allez, on attaque. Tu nous relances un autre. Parfait, un petit coup critique là. Non. Il faut qu'on termine celui-là je pense. Voilà, comme ça ça va répandre les malus sur un autre. Donc on, malheureusement on a été surchargé hein, avec tout ce qu'on a pris, enfin on n'a rien subi mais on a quand même douillé un peu. Ici on va en terminer un coup avec cette ligne, voilà on les surcharge du coup. Alors toi, ce serait pas mal si tu pouvais nous mettre un petit refroidissement. Tout le monde ne l'a pas encore. Hop là. Prends ça et souffre. Allez, ça génère l'attaque. Ouais, parfait. Ah dommage, il a pas pu le finir. C'est pas grave, on va le finir avec lui. Ça va rebondir sur celui-là et donc répandre tous les malus sur le dernier. Ce qui est bien sûr très intéressant. Maintenant on va pouvoir l'attaquer avec nos attaques un peu plus standard pour baisser notre surcharge. En théorie, à lui tout seul, il devrait pas faire de miracle. Ouais, voilà. Il a réussi à prendre un petit coup quand même, mais c'était pas ouf. On a trouvé une base polymorphe inférieure-supérieure. Très bien. Bon, c'est pas ouf. On va avancer. Je pensais que c'était une petite mission secondaire, mais en fait c'est un gros donjon finalement. Cool, un petit peu d'expérience, on a de nouveau des niveaux à prendre. On va par
partir là-dedans. Donc ça, on l'utilise à chaque fois. Et ici, on va partir... Ouais, 100% de chance d'enlever un bonus à l'ennemi, parce que c'est quand même celui qu'on utilise le plus. Encore une petite tablette. Ouhou, on a des niveaux. Oh putain, encore des niveaux quoi. Allez, on va partir là-dessus. Là. On augmente la capsule inferno ici. Ouais. Rebondir sur des amis supplémentaires. Et toi mon cher. Régénérer le bouclier, plus de résistance. Ou un. Ouais, un bola qui augmente massivement la surcharge ennemie, c'est très très bien. Alors, allons-y par là, un piège. C'est fait. Donc on est dans le nouveau secteur ici. On trouve le réacteur maintenant. Et c'est parfait, on l'a trouvé. Colmater la brèche. Les mecs ils se bossent dans une usine irradiée, ça les dérange pas quoi. Bon, on a pris un max de niveau, on a eu un max d'équipement. Ce qui est parfait. On a eu une manifestation qui est un succès. Et une autre manifestation, mais je ne sais pas si elle a été un succès. Visiblement oui, puisque le mec est revenu avec de la vie. Enfin avec un niveau, pardon. Donc du coup on va s'arrêter là pour cet épisode. Oh encore, qu'il me reste encore assez de temps pour faire les niveaux je pense, donc on va faire les niveaux. Avec notre petit scout. Alors, toi t'étais notre scout DPS déjà. Donc voilà, 100% de chance que ça s'active deux fois, on prend. Ici, plus de soins, ouais, pourquoi pas. Au niveau équipement, qu'est-ce que t'avais? Ionisateur, ça c'est mieux que ce que t'as, on te le donne. Ça c'est pas mieux, ça c'est pas mieux, ça c'est pas mieux, non c'est pas mieux. Allez, ionisateur 2.0 c'est encore mieux, donc on va te le donner, hop là voilà. Au niveau des armures, ouais c'est pas mal ça. Prothèse polymorphe, non. Non. Ah ça c'est pas mal par contre. Hop là, prends. Bof. Réacteur stabilisé, non. Alors ça donne plus de vie, mais moins de bouclier. Je préfère le bouclier puisqu'il peut se régénérer, tout simplement. Ouais, ça c'est quand même pas très rentable. On est pas mal sur lui. Ici. Bah oui, ça c'est carrément mieux, ouais. Il n'y a pas de débat. Le drone qui est là est un peu mieux. Ouais. Ça non. 178 de vie quand même, ça commence à compter quoi. On va lui donner. Ça non. Une meilleure arme. Un revolver. Un revolver Breaktech 2.0. Ah non, ça c'est un canon, pardon. Voilà, ça c'est un revolver, parfait. Ok, c'est pas si mal. Est-ce qu'on a débloqué des trucs pour l'atelier? Nouveau schéma débloqué 3. Là on a les sillonneurs du rempart. Donc ça c'est pour le riot. Hein. Est-ce qu'on a trouvé des nouveaux trucs du solitaire? Non. On a trouvé des trucs du secret. Néodrone du secret, infliger des dégâts, régénère le bouclier de 15%, c'est pas mal. Par contre on n'a rien trouvé de nouveau du solitaire malheureusement. On a les trucs du renfort, mais notre seul war est en mission pour l'instant donc... D'ailleurs ça vaudra peut-être le coup d'en acheter un autre. Colérique, ah mais à force de réparer on a plus de thunes. Critique plus 1, vitesse plus 1, car on peut peut-être vendre des trucs. Des armes là qui ne servent à rien, genre ça c'est de la merde. Les trucs qui ne sont pas rares, on vend. Ouais, on vend. On vend. On vend. On a des revolvers qui font 100 de dégâts maintenant, hein, donc... Le canon ça fait vraiment...
Voilà, 150, ça commence à être intéressant. Ça, c'est trop bas de niveau aussi. Ça aussi, ça c'est de la merde. Catalyseur d'énergie, ça enlève de la vitesse, on n'en veut pas. Hop, et hop, voilà. Donc là, on a plein de blé. Non, c'est dans le hangar. Et on va acheter X850, qui est colérique, critis plus 1, vitesse plus 5, c'est parfait pour un war. Hop là, et donc il a 12 niveaux à prendre. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau comme compétence? Inflige 300 de dégâts à un ennemi, se relance une fois gratuitement sur le même ennemi en cas de coup critique, c'est pas mal. Rafale d'intimidation, ok, c'est ce qu'on utilise déjà. Ouais, je pense qu'on va en faire un DPS de lui. Court-circuit, non. Bon, on va enlever court-circuit, on va prendre la munition neutronique. Avec la ferveur énergétique qui fait des coups critiques, c'est quand même très intéressant. Alors, en termes d'armure, est-ce qu'il y a des trucs mieux que ce que t'as? Bof. Ouais, non, ça en régénère. Là, vous voyez, ce truc-là donne 62 de vie, mais le truc qu'on a régénère de 51 notre bouclier par tour. Donc, c'est complètement plus rentable d'avoir la régénération. Il n'y a pas photo. Il y a beaucoup de trucs qui augmentent la vie par contre. 42. Ouais, non, quand même pas. Non, pour l'instant, on n'a rien d'intéressant. Donc, on va s'occuper des talents. Donc, ça, on prend tout de suite. C'était quoi? C'était ce truc là. Hein. Non, c'est pas ce truc là. Munition neutronique. Génération réduite, c'est parfait. Régénération quand la surcharge augmente, ok, pas mal. Plus de puissance, plus de chances de faire des coups critiques pour les alliés, plus de chances de faire des critiques. On va prendre ça. Ça, ça régénère, ouais, bah du coup, ça coûte quand même vachement plus cher, hein, 10%. Peut-être mieux comme compétence. Ouais, on va plutôt prendre ça. Et du coup, on va l'améliorer. 60% de chance d'appliquer étourdi, ça me va bien. Ça, ça réduit. Ah bah, réduire la surcharge de la ligne alliée. Bah oui, non, mais carrément. On réfléchit même pas. On prend même pas les autres trucs. C'est pas la peine. Donc, on va en faire un petit DPS à mettre dans notre équipe à lui. Allez! On va arrêter là, du coup cette fois c'est bon, on a fait le tour. J'espère que cet épisode vous aura plu. Petite mission secondaire que je pensais simple mais qu'en fait a été un petit peu badass. Et la prochaine fois, bah, on essaiera sûrement d'avancer la quête principale. Merci à toutes et à tous.